N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. J'espère que vous allez bien, je vous avais promis la petite story avec l'exclu sur le fameux combat, potentiel combat entre Rof et Booba. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, tout comme moi, qui pensent que ce combat il va jamais avoir lieu. Mais là, je viens d'avoir une information de la plus haute importance. Je vous explique. Même si je crois pas en ce combat-là, je pense qu'il y en a. La dernière fois, Rof nous a fait une story en nous expliquant qu'il y avait des gens qui l'avaient approché, des gens très etc. qui lui avaient proposé 300K d'avance pour les deux parties. 300K pour lui, 300K pour Booba. Je viens d'avoir une copie de l'avenant du contrat. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me l'a montré. C'est-à-dire qu'il ne me l'a pas donné, il me l'a montré. C'est très très sérieux. C'est l'une des plus grosses familles de France. C'est-à-dire que là, personne ne peut refuser le combat. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils t'appellent, tu peux pas dire. C'est comme si je te dis TF1 t'appelle. Voilà, tu sais que personne ne va te voler. C'était pas de promoteur bizarre, c'est carré de fou malade, etc. Donc là, aujourd'hui, il y a une brèche potentielle pour le combat. Le seul truc qui bloque, c'est ce seul petit point de savoir que Rof ne veut pas partager l'argent. C'est-à-dire que pour Rof, c'est soit tout pour le gagnant et le perdant, il a juste pris ses 300K. Et Booba, lui, il veut pas ça, il veut chacun prend son oseille, le perdant un peu moins, le gagnant un peu plus, etc. etc. Donc là, il y a plus de 50-50, les deux sont d'accord pour la tierce personne qui leur a envoyé contrat qui est, je vous ai dit, hein, c'est incroyable. Et ensuite, le combat, ça c'est une exclue, peut-être que vous ne le saviez pas, je ne sais pas si l'info a fuité parce que j'étais sur d'autres dossiers. Le combat se fera à huis clos, c'est-à-dire que ce sera pas en France, ce sera sûrement, je vous le dis, peut-être en Suisse ou en Belgique. Et quand le combat aura lieu, Booba et Rof auront le droit à 8 personnes chacun. Il y aura 2 jets qui vont être envoyés, 2 jets privés. Un jet privé pour Booba et un jet privé pour Rof. Ils auront droit entre 6 et 8 personnes. Et après, il y aura la grande famille qui organise ça, bien évidemment, qui sera là, qui seront là avec leurs proches, etc. Mais ce sera que sur pay-per-view. Ce sera accessible, il n'y aura pas de public, personne ne peut venir au combat, ni rien. Mais ce sera visible que sur Internet par pay-per-view. Voilà, vous avez les dernières informations concernant cette fameuse histoire de combat. Donc, ça ranime un petit peu la flamme de potentiellement, peut-être qu'il va y avoir bagarre. Voilà.